Sous la poussée violente et si enthousiaste du curé Labelle, qui colonisa le Nord à 50 milles de Montréal, des Canadiens français, des fricheurs et laboureurs, descendants authentiques des ancêtres, venus de Normandie, de Bretagne, du Poitou, de l'Auvergne et de l'Île-de-France, des hommes courageux reculèrent les forêts pour y commencer une civilisation qui serait le prolongement de la vieille France. Pays de montagnes, de rêves et de misères. Pays dur,